Bonsoir tout le monde, nous comptons rejoindre pour nous porter tout ça qui a dominé l'actualité football là pour nous commencer dans le pays d'Espagne avec Mercato à côté journal. Ça fait qu'on est que l'équipe FC Barcelone a gagné 3 priorités. Et bon côté parler journal Salim qui fait qu'on est pépite brésilien Vitor Hockey déjà a négocié avec l'équipe FC Barcelone. Nous parlons dans le mondial des clubs là avec l'équipe Flamengo à lui-même qui éliminé face avec l'équipe Ali Lala Noavene qui sa la presse dans le pays Brésil là sous élimination si là. Après un pile sanction qui crabe tombé sous Manchester City, selon le journal ça, Haaland a déjà demandé avec avocat pour crabe rejoindre l'équipe Real de Madrid pendant Mercato qui va venir là. Nous avons toujours été dans le pays d'Italie avec football, côté que aimé équipe Juventus de Turin est arrivé gagner 3 goals à 0 en déplacement. Bon côté parle toujours dans Mercato et bien gagner Zaniolo lui-même qui quitte l'équipe AS Roma pour rejoindre l'équipe Galatasaray dans le pays de la Turquie. Nous avons toujours été dans le mondial des clubs avec l'équipe Real de Madrid la Jodia qui gagne rendez-vous dans la demi-finale. C'est une vidéo qui est tout ça qui a dominé l'actualité football en tournée. Après, pose à vous montrer tout le détail pour vous. On commence la vue de presse là dans le pays l'Angleterre avec journal ça hier qui était mettait à la une que l'équipe Manchester City a désormais accusé. Selon le journal ça, et bien Premier League lui-même qui accusait l'équipe Manchester City a que l'a violé pendant 100 fois avec fair play financier sorti 2015 pour arriver 2019. Le journal a fait qu'on est que Yoka a retiré des titres dans le mail et Yoka a même relégué dans la deuxième division. Donc, on ne peut pas les gagner dans le Daily Times qui fait qu'on est que Manchester City c'est 115 charges que l'équipe Premier League là mettait sous lit. Voilà qui fait qu'on est que l'autre club qui forme Premier League là a demandé avec Premier League là pour Krab prendre décision avant saison finie pour Krab reléguer l'équipe Manchester City et bien tout sanction que le mérite. Bon côté par le journal ça le préféré dit équipe Manchester City a li vraiment absoué là et bien il a une petite botte puisque Premier League là il mettait un pile charge sous lui. Et bien il est capable de mettre dehors dans Premier League là et même reléguer dans plusieurs divisions inférieures. Bon côté par le journal ça lui même il fait qu'on essaye un abeille lui même qui pique l'équipe Manchester City a. Et pour le Premier League, l'Alien qui déclarait que Kayo Genamé a eu plus gros que UEFA, il a frappé l'équipe Manchester City a plus fort que UEFA. Et bien, au côté par les journalistes, ça a fait connaître que sanction ça a qui menacé l'équipe Manchester City a dans la reconstruction. J'étais vraiment intéressé avec le joueur Salim, même qui c'est Jude Bellingham qui a joué l'équipe Borussia Dortmund. Mais après toute sanction ça a fait un campé sous négociation si là. Journal Daily Express est venu sous dossier Manchester City a également pour le venir avec déclaration Premier League là qui fait connaître que dossier Genamé a eu vraiment fort et a difficile pour tomber. C'est qui Manchester City a tablé fait appel et mes Premier League là qui avisé que dossier ça a eu plus fort que accusation UEFA. Bon côté par les gains journal ça lui même qui fait connaître que plusieurs superstars qui étaient supposés rejoindre l'équipe Manchester City a eu prêt pour quitter le dossier là. Mais c'est le cas de Ben Chilwell qui était vraiment intéressé ensemble avec lui pour Rafael Vigne Mercato Estival là. Mais désormais, joueur ça n'est pas d'accord pour rejoindre l'équipe Manchester City. Toujours dans le pays d'Angleterre, dans le club Manchester, mais c'est bon côté voisin Manchester United qui vient avec une très bonne nouvelle. C'est le journal Daily Mail et bien un fonds Qatari qui est prêt pour mettre en pile l'argent et acheter l'équipe Manchester United là. Selon le journal ça, les Glazers ont demandé 6 milliards et mes groupes ça lui-même qui vraiment confident que vous allez faire un gros offre et pour mettre tout rival de côté. Et selon le journal ça, Eric Ten Hag qui parle en pile l'argent dans le même pour investir sur le mercato estival. Et puis pour nous finir ce dossier Manchester City, et bien le journal ça dans le pays l'Espagne lui-même qui révélait que Erling Haaland a demandé avec avocat lui pour faire une façon pour activer clause 200 millions d'euros l'IA. On ça pour le Krab quitter déjà l'équipe Manchester City dans le mercato qui a venu là et rejoindre l'équipe Real de Madrid là. Pour rappel que clause ça lui-même dans le contrat là, mais c'était pour 2024, mais à cause de sanctions qui a tombé sur l'équipe Manchester City à international norvégien qui voulait quitter et rejoindre l'équipe Real de Madrid là. On a toujours été dans le mercato et nous prenons les dans le pays l'Italie avec le journal Il Romanista qui fait jeu de mois pour le mettre à la une Galatasaray. En effet, Nico Zaniolo lui-même, jeune pépite équipe AS Roma qui définitivement quitte le club là et qui rejoint le club turc là qui c'est l'équipe Galatasaray là. Pendant Mercato, il y a plusieurs autres grands clubs européens qui étaient intéressés avec Pépite italien, mais désormais c'est le club Galatasaray là qui arrive à une entente avec l'équipe AS Roma. Et nous parlons tout avec le journal Tuto Sport lui-même qui vient sous dossier Zaniolo pour mettre à la une Zaniolo, c'est déjà turc. Bon, on te parle tout journal Tuto Sport qui vient sous l'équipe Juventus Stalien qui est arrivé à gagner en déplacement équipe Salernitana 3 goals à 0. Une très belle opération là qui célébrait pour mettre à la une la Juventus est de retour. Le côté par les journal Papier Rose là qui c'est Gazette de l'O Sport, il préfère mettre un meilleur joueur ça lui-même qui c'est Vlahovic à la une pour le mettre et mes Juventus c'était un festival Vlahovic.
International Seb là lui même qui t'a marqué un doublé pendant contre Sila et contemporain qui c'est Costil qui t'a marqué un goal également. Et après victoire ça journal Corée de Sport lui mandé un peu de respect pour équipe Juventus tout cela qui a été retiré 15 points sous le classement dans dernier mois ça yo. Mais journal là qui fait qu'on est que équipe là qui de retour et notamment Allegri lui même qui relevait tête dans classement. A fait un coup de pied kounan en Amérique du Sud là avec équipe Flamengo dans pays Maroc qui t'a disputé demi-finale mondiale des clubs là. L'équipe Flamengo a tombé 3 goals à 2 face avec l'équipe Al Hilal. Mais désormais, journal Globo li mette à la une. C'était un mauvais football et surtout une élimination précoce de l'équipe Flamengo. Bon, côté par les gains, journal Extra lui-même qui vini avec une honte des Arabias pour faire connaître que c'est une honte dans le pays Arabie Saoudite. Avec tout espoir, ça que te mette sur l'équipe Flamengo et journal Odija également li mette à la une une honte des Arabes. Mais dans le pays Maroc, dans la demi-finale, ça équipe Flamengo était favori, mais quand même, il est tombé face avec le club ça, qui souhaite dans le pays Arabie Saoudite. Mais désormais, il n'y a pas gain pour retourner à la caillou avec élimination précoce. Là. On va rentrer dans le pays d'Espagne et nous parler avec Mercato à bon côté équipe FC Barcelona selon le journal Mundo Deportivo qui vient avec 3 priorités club d'Aogana. 3 priorités, ça aussi Yannick Carrasco, Sofiane Amrabat et notamment Vitor Roque qui est un pépite brésilien qui a joué dans Atlético Paranaense. Le journal a fait connaître que si Yannick Carrasco équipe Barcelona prêt pour le cap exécuter option d'achat, et mais bon côté par le Vitor Roque avec Sofiane Amrabat qui voulait venir dans Barcelone. Et bon côté par le journal Sport lui-même qui fait connaître que FC Barcelone déjà a négocié ensemble avec Vitor Roque. Joueur ça qui titulaire dans l'équipe Atlético Paranaense et qui notamment a porté sélection U20 brésilienne dans la Copa América et c'est une priorité pour l'équipe FC Barcelone. Journal a fait connaître que ligue même s'il avec Luis Suarez et Lika a vraiment utile l'équipe là. Mais journal a qui est mal et puis pour faire connaître que direction sportive équipe FC Barcelone croit que joueur ça li pi bon que Hendrik. Et en bas page tout journal là qui fait connait que Sergio Busquets li priorisé pour le club continuer l'équipe FC Barcelone malgré grand offre qui a sorti dans le pays Arabie Saoudite. Mais on va pas dire journal à tout qui fait qu'on a déjà gagné contact pour jeune joueur Seb Sal qui c'est Stefan Mitrovic dans l'équipe FC Barcelone. On a toujours été dans le pays l'Espagne avec l'équipe Real de Madrid la Jodia qui gagne rendez-vous dans la demi-finale mondiale des clubs. Journal là qui mettait à la une le roi du monde. Le club Al Ahly lui-même qui c'est meilleur club africain de tous les temps mélangé avec l'équipe Real de Madrid qui c'est meilleur club en Europe de tous les temps. Mais journal a tout qui vient avec déclaration Ancelotti sous Vinicius Junior qui vraiment a subi un pile faute pour le faire connaître que c'est vraiment un bagarre pas capable de comprendre Vinicius Junior c'est victime et vous voulez faire passer pour coupable. Et bon côté parler journal Marca lui-même les vient avec une très belle une pour le faire connaître que Real de Madrid encore une fois qui va le chercher pour le mettre au sommet du monde. Mais actuel champion d'Europe la Ligue rendez-vous aujourd'hui dans demi-finale pour le chercher en place dans finale face avec club Arabie Saoudite là qui c'est équipe Al Hilal. Nous parlons dans le pays de la France avec le journal L'Équipe lui-même qui vient sous 8e de finale de la Coupe de France. Jodia qui permet mettre face à face l'équipe olympique de Marseille face avec l'équipe Paris Saint-Germain. Hein? Journal qui mettait à la une, c'est le classique coupe. Et journal qui allait plus pour le club dit avant le classique du 26 février, l'Olympique de Marseille reçoit ce soir le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Les Marseillais espèrent enfin battre leur rival invaincu à l'Orange Vélodrome depuis novembre 2011. Et bon, côté par les journal La Province, même qui fait qu'on est que pour battre l'équipe Paris Saint-Germain, il y a une mobilisation générale. En effet, c'est 65 000 spectateurs même qui pourraient pousser l'équipe olympique de Marseille pour essayer de passer pour les quarts de finale. Je ne sais pas ça déjà, c'est pas si facile puisque statistique depuis 2011, l'équipe olympique de Marseille n'a pas jamais battu Paris Saint-Germain dans le Vélodrome. Et bien fanatique football, nous t'es vraiment content pour nous déporter tout ça qui a dominé l'actualité pour nous espérer que t'es aimé vidéo ça. Quant à nous, on a pris rendez-vous avec vous pour demain si Dieu veut pour notre revue de presse.